Oui, activement, ipso facto, grosso modo, quasiment. Hein, j'ai voulu parler des quatre fantastiques qui restent la première maison cybernéticielle dans ces rayons d'action UPEN. Hein, c'est pour un professeur. Alors, c'est dans le strict sens, c'est-à-dire, c'est une maison qui régule, qui réglemente, qui restructure, qui réhabilite, qui réquincavissierait toujours ce qu'on a fait, la cognon statistique. 1 km² fois 5, ça fois 5, ça fois 10, moins 150, donne 2 345 410 km². Oui, la mort maintenant, qui signifie qu'une paralysie vitale. Nous avons maintenant au centre d'apologétisme l'abbé Malou Malou qui venait de nous quitter à partir d'Iziesa, United States America, qui a fait son temps, qui a travaillé. Il a été prélat de l'église catholique, mais pourquoi pas chrétien dans ce sens. Mais vous voyez que in memoriam, c'est un regret purement inlassable que nous lancions dans le monde. Parce que cet homme a travaillé à la CENI, ça a commencé par CI. Mais ce qui nous importe plus ici, ce n'est pas de voir l'essence, comment il a été. Ça, c'est le jugement, c'est Dieu lui-même. Que son âme repose en paix. Le Congolais, je crois, toute Congolaise, d'exotopie, de l'intérieur comme de l'extérieur, l'extranéité, diaspora, mêmement, pouvait se dire. Voir trouver un temps comme tel de prosternation à cet esprit qui nous a quittés. Parce qu'il a quand même travaillé. Hein? Parce que sur Terre, l'homme ne serait pas accepté à 100%, mais il a fait passer sa moyenne compte tenu de l'ergonométrie, et surtout sur le plan des statistiques inférentielles, descriptives. Hein, parce que quand on parle de la CENI, c'est plus de la calculasse rationaliste et politico-expérimentale d'IAM, la continuité, la lutte continue autour de M. Corneille Nanga, Nanga, 2A à la fin, Nanga, Nanga. Alors, vous devez savoir qu'il travaille, mais lorsqu'il y aurait peut-être un freinage sous cet angle, le savant pouvait atteindre la CENI. Faire voir ses capacités dans le sens de maths appliquées, parce qu'il faut faire la calculasse sur la démographie, il faut trouver le sens de calcul, des artifices de calcul sur la population. Si nous devons supposer que la République démocratique du Congo, il y a 80 millions d'habitants, faire allusion sur 8300 villages que nous avions, et nous devons apparenter au moins 2200 kits, 2000 kits devraient être dans la République démocratique du Congo, à l'internat, et l'externat, 200 kits pour la diaspora, pour faire ce qu'on appelle la dimensionnalité de ces gens qui doivent voter autour des suffrages bien définis. L'attitude que les Congolais, sous l'angle des stricts sens, devraient avoir autour de la mort de l'abbé Malou Malou, c'est vraiment la tristesse. Cette attitude qui devrait les amener à mieux penser, à mieux prosterner quand vous avez perdu quelqu'un, quand vous avez un vide sur un personnage, ça crée un regret, une sorry. Alors maintenant, il est temps maintenant de parcourir comme tel de prière, de méditation, de prosternation dans toute église, ici comme de l'extérieur. Penser à son âme, que Dieu puisse bel et bien le prendre autour d'un repos d'éternat, éternel dans l'universalité. Il trouve son sens activé par les Congolais qu'ils ont laissés. Et congolaise, et la vie continue. Et c'est ce que nous devons savoir, que quand nous sommes sur Terre, nous devons au moins plus causer du bien et en physique mettre de côté ce que du mal. Parce que nous sommes jugés autour de cela. Les honneurs de la part de Congolais, le jugement, c'est Dieu lui-même. C'est l'orthodoxisation de l'orthonormisation, de la théonomie sur vous vers pour la théodicée. Hein, c'est-à-dire l'honneur de soi par le Congolais, Congolaise vers Dieu. Ici, le grand tranchement, comme cette tranchée, c'est par Dieu. Parce que sur Terre,
personne ne peut atteindre le 100%, sauf Jésus et Dieu lui-même. Hein, Dieu lui-même, ce sont ses esprits, c'est Dieu qui s'est fait homme par Jésus pour essayer d'incarner ce qu'on appelle toute béatitude mondiale. Alors, il est mort sur la croix, Crucetta, pour essayer de chercher notre bonheur. Mais le jugement, c'est Dieu lui-même. S'il a été bon, ou bien il a été dans une vie qui a un peu dérangé l'essence démocratique, ça c'est Dieu. Mais de nous, ce n'est pas nécessaire, parce que nous sommes sur terre, d'autant permettre à Dieu de nous juger, d'autant permettre à ce que les uns les autres puissent se faire juger. Parce que moi, un exemple, je peux pas, mais moi je suis savant, mais non. J'ai été accepté dans le monde. Nous devons quitter cet attrait. Je travaille bien. Non. Faites-vous juger. Vous, votre problème, c'est de travailler. Comme lui, il a travaillé. Vous allez voir, il y aurait un sondage. Il y a ceux-là qui vous diront qu'il a bien travaillé. Mais il y a ceux-là qui, hein, d'autre part, qui pourraient dire, ah, ce qu'il a fait, en tout cas, ça nous a amené à tel point. Ça, c'est, nous devons parvenir à voir cette calculasse rationaliste et politique, cette caractéristique de se faire accepter. Lorsqu'on s'accepte seul, on est plus dans la médiocratisation. La méritocratie, c'est permettre aux gens de vous faire juger. Moi, Eddy Malou, est-ce que de quoi vous voyez? Est-ce que je travaille bien ou pas? Remettez des points de vue au peuple de vous juger. Mais se faire juger, je réponds, c'est de grande part de la médiocratisation. L'abbé, comme il a été là, il part. Même quand il était là à la CENI, je ne l'ai jamais vu en train de se prétendre « Oh, je suis expert ». Non. Ce sont les Congolais, ce sont les personnages de la société civile, du pouvoir, ceci, qui devraient dire que vraiment cet homme a travaillé. Maintenant, comme il est parti, mais généralement, lorsqu'on quitte ce monde, on est toujours bien coté. C'est ce que j'en sache. Oui, il n'y a pas de polémique. Mon problème, c'est d'accompagner toutes les instances. Parce que si je ne le fais pas, Dieu pourrait me punir. Parce que le monde m'a déjà jugé parmi les gens les plus intelligents, parmi les gens les plus importants du monde entier. Alors, pour moi, la charité bien ordonnée commence. Si je ne suis pas dans vos rayons d'action, comment bah vous allez traiter sur quoi? Comment vous allez traiter? Le fiasco va s'étaler. Les Congolais tiennent que leurs savants soient présents partout. Si je ne suis pas là-bas, vous allez traiter sur l'apologétisme, ou bien sur l'apologie, ou bien l'apogée, ou bien sur toute convenance mal attrayantialisée. Voilà comment je lance les termes. Ce sont des prépos vers le propos. Le monde est moderne, ça demande le niveau de la cognostatiste. On ne copie pas des nations. Ici, le Congo a sa propre politique qui est sûre, en orbite de la Congo lexicomatisée, Congo l'unité, Congo progressiste et jurisconsultance. Donc ne venez pas vous précipiter, entrer sans que les savants soient là. Bon, vous allez traiter sur quoi? Vous allez venir vous sursoir, la population attend de suite, la population doit manger. 24 novembre, Obeni, Boutembo, tout ça, solution, ça se trouve ici. Merci. C'est ici où il y a les solutions de la République. Voyez la tête ici, ça c'est le monde entier. S'il n'est pas présent, vous allez contourner le monde, vous ferez 1000 ans. Merci, monsieur. Appelez sur 081-244-3198, 082-55-33-845, 084-060-56-86, Maté. Ça, c'est dans les décanats. Quatre fantastiques. Première maison, bâtisse grandiloque est essentielle. Je suis là pour vous enseigner toute la République au stade de 6h à minuit. Si je ne suis pas présent dans vos colloques, dans vos sympathiums, je ne sais pas. Bon, vous allez traiter sur quoi? Comment vous allez traiter? Ça se trouve ici. Regardez, ça y est ici. Merci. Eddy Malou, l'homme cher, monde entier. Alors, venez vous sursoir, savant, absent, on dira, monsieur, vous allez traiter quoi? Les Congolais ont besoin à manger. Les universitaires doivent avoir des bourses. Les militaires doivent être rationalisés chaque samedi, leur donner à manger. Ozo dans les cercles, ils doivent avoir leur verre de coca, langues étrangères. Skient, Saint-Père, Splendid, et Tientia. Science sans conscience n'est que ruine.
Université Lovanium, entre parenthèses, SEME, S-E-M-E, savant Edi Malou entrepreneurial, formule à partir de Ngaba Omé, c'est la solution dans les universités. UPN.